pillage à l'université d'Ansiran, deux détentions et une liberté provisoire. Les enquêtes se poursuivent concernant le pillage survenu à l'université d'Ansiran suite à la manifestation des Normaliens le 7 janvier dernier. Selon les dernières informations, deux personnes ont été placées sous mandat de dépôt à la maison centrale d'Ansiran. Une femme enceinte, également impliquée dans cette affaire, a bénéficié d'une liberté provisoire. Pour rappel, de nombreux matériels informatiques, dont 16 ordinateurs et leurs périphériques, ont été volés lors de cette manifestation qui a viré au vandalisme et au pillage. La vitrine numérique de l'université a été particulièrement saccagée. Les éléments des forces de l'ordre ont immédiatement ouvert une enquête, mené des investigations et des perquisitions qui se sont soldées par l'arrestation de ces trois personnes.